Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Félicité à toi, Marie, surabondance de bonnes œuvres, sainte patronne des femmes chastes et charitables. Tu es au-dessus de toutes les élus du Seigneur sublime et insondable. L'acte de Dieu en expansion t'a pourvu sans contredit du plus distingué des messagers, Jésus. Bonheur à quiconque place sa confiance en toi sans réprobation aucune. Car il est évident pour tout croyant que tu es la favorite des humbles obéissants à Dieu. Toi, la mère du meilleur des généreux, Jésus, tu es affranchie de tout culte autre que celui du Seigneur. Les infinis saints mérites, comptés à ton endroit, m'ont conduit à te rendre hommage par cette ode. Tu as été gratifié de faveurs qui rendent bien heureux tout croyant scrupuleux et convaincu. Je formulerai ce jour des éloges en ta faveur qui certes m'assureront une vie émérite, qui se perpétuera jusqu'au paradis et ce sans aucune prétention d'épuiser tes immenses vertus. Tu es l'héritière du noble descendant prophétique et tu n'es point pécheresse. Tu es le symbole de la circonspection et de la rectitude morale. Le Seigneur a immensément agréé tes bonnes œuvres. Ton fils Jésus a obtenu ce à quoi il aspirait auprès de son Seigneur, l'impénétrable. Mon aspiration en écrivant cette ode est d'obtenir l'agrément de Dieu, par quoi il éternisera ton voisinage. Auprès de lui, le Seigneur du royaume céleste est le pourvoyeur de la droiture et du culte sincère. J'implore le Seigneur, détenteur de l'acte d'existence, afin que ce poème te soit un argument solide contre les fausses accusations portées à ton encontre, et à moi un motif d'exaucement de mes prières. Oh, la mère de celui par qui les ténèbres sont dissipées. Ton fils ne s'est pas éteint sur la croix.
il a été élevé auprès de son Seigneur. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi et sur ton fils, celui par qui l'ignorance est éradiquée. De sorte que l'adoption des pratiques licites soit à portée de tout érudit pieux. Accepte ce présent et ne le récuse pas. Conformément à l'acte du Seigneur, le très généreux, qui accepta de répandre sa mansuétude sur ton humble ancêtre, Ève.